Please. Vas-y, mais comment il renforce lui? Je mets tout dans la tête là. Oula. Ne s'énervons pas. Bonjour messieurs dames. Bonjour, bonjour madame. Non mais à quatre pattes, voilà, déjà tu vois, je te le dis par exemple, à quatre pattes, ouais, je te le dis mon petit poulet. On ne fera jamais de ranked avec toi. Alors ça c'est une question, n'oubliez pas les surveillants de leur ajouter dans les questions, quel est votre ping moyen? Plus de 80 de ping, c'est mort. Ça c'est du... Je suis désolé. Non, y a pas de désolé, trop du cul. Hein. Ok, bah voilà, voilà exactement ce qu'il ne faut pas reproduire, ok? Espèce de trou du cul. Putain. Voilà, le mauvais exemple. Ne jamais croire un bait quand tu cours comme ça là, qu'est-ce que t'as cru? Ça attaque direction est, les poulets. Est. Donc qu'est-ce que tu fais, Knaki? Regardez là, direction ouest. Cette ligne, mais elle est tellement chambée. J'appelle ça la ligne Pinta parce que c'était les premiers à nous l'avoir fait. Si tu renforces ça, que tu mets ça et que t'as envie de défendre à cet endroit-là, parce que si t'arrives là, les mecs vont avoir la ligne, tu vois, en se mettant en rappel. Ils vont se mettre en rappel et ils vont te niquer au niveau de la porte. Mais si tu fais ce trou là et que tu renforces là, ça te permet d'avoir une rotation comme ça auquel ils s'attendent pas et de pouvoir aller les jouer, tu vois, sur une ligne à laquelle ils s'attendent pas justement. Je vous le conseille vraiment. Ce trou là de rota, il est tellement beau, il est tellement parfait. Ah, j'adore ce trou de rota. Voilà, maintenant comme ça tu sais, on s'en fout, je sais, mais t'apprends des trucs quoi. Too late. Dégueulasse ce que je fais. Essex. Oui. Et oui, il a dit que ta calvitie est aussi présente que ton skill. Mais sachant que j'ai pas de calvitie, du coup, mon skill est présent. Bah oui. Ah bah oui, il fallait dire que ses cheveux sont aussi présents que son skill. Bah ouais, t'as niqué ta blague là, mec, c'est mort. Ah, c'est pas la mienne. Hein. Ouais, bah c'est de la merde. Ah, bon. Je te jure, c'est pas moi. Oh mec, regarde où elle s'est mise. Elle a rebondi au plafond, mec. Après, c'est ramené en boulot, c'est un trou du cul. Voilà, ouais, je l'ai mis dans la catégorie trou du cul. D'accord. Franchement, et j'ai failli tweeter à ce sujet. Et puis j'ai dit, allez, on va pas créer de drama. Dans la vie scolaire, ils veulent pas qu'on mette de musique. Alors c'est un blaireau. Franchement, quand t'es bon en ranked, quand t'es bon en casu, quand t'es bon sur des montages vidéo YouTube, quand t'as rien fait en e-sport, tu fermes ta gueule. Tu ne commandes pas l'e-sport. Tu te tais, tu prouves, et ensuite t'as le droit de parler. Lui il a rien. M'énerve ce mec là.
L'histoire, c'est qu'il a dit que toutes les personnes qui avaient gagné la Pro League, toutes les personnes qui jouaient à Rainbow Six en e-sport sur la saison, l'année 1, toute l'année 1, tous ces mecs-là, c'est des nuls. Tous les gens qui ont gagné la Pro League saison 1, saison 2 et saison 3, à savoir nous, c'est des nuls, ça ne vaut rien, etc. Sauf que ce que Bolo a pas compris, c'est que forcément, si à un moment, le but du jeu, c'est de regarder une montagne et de savoir qui est-ce qui la monte la plus vite. Et forcément que les mecs qui sont là, là, maintenant, vont beaucoup plus vite que les mecs qui l'a monté il y a 10 ans. Mais qui est-ce qui a l'honneur? Le mec qui a été le premier à la monter? Ou le mec qui la monte deux fois plus rapidement? Moi, j'ai ma réponse. Visiblement, c'est pas celle de Bolo. Donc lui, j'aimerais bien qu'il vienne au Major. On parlera un petit peu tous les deux. On discutera, je lui exposerai mon point de vue un peu. Eh ben c'est exactement comme les gens qui comparent l'année 3 et l'année 1 de Rainbow Six, surtout quand ils ont aucun background en e-sport, c'est la même chose que les gens qui diraient « Mais attends, mais si tu compares Kylian Mbappé avec Zinedine Zidane, avec Pelé, tu vois ?» Mec, enfin, tu prends une time capsule, tu vois, tu prends un truc à remonter dans le temps, ok ? Tu prends le Zidane de 2006 et tu le mets à l'époque de Pelé. Mais Pelé, il se fait défoncer, mec. Physiquement, enfin, la préparation physique, etc. Mais c'est un niveau mais inégalé. Enfin, à l'époque, c'est... Et pourtant. L'important, c'est ce que tu es à un instant T. C'est pas de le comparer par rapport au passé. Donc quand il a dit ça, là, il a perdu beaucoup dans mon estime, ce garçon. Beaucoup. Mais il est jeune. On lui pardonne. Un jour, on lui apprendra à la Soulty Academy comment ça se passe. Il est bon en plus. Hein. Je suis sûr qu'il peut avoir il peut faire de bonnes choses. Mais attention, il y a quand même un gap. Il y a quand même un gap. C'est pas parce qu'on est bon en ranked qu'on est bon en jeu. Ça aide, forcément. Mais voilà quoi. Là, t'as des trucs qui font boum. Y'a pas besoin. Vas-y, ce qu'il y a, il est là. Located a bomb. Bon, tu es. If you remain in this zone, you will. Your location has been compromised. Ouais, les gars, vous êtes pas très causants, hein. Ouais. Et puis, vous arrivez même pas à faire des kills. Faut cliquer sur les têtes, les mecs. Mec, calme-toi, hein. La map. Il fait 8 kills la game dernière. Désolé, je peux pas, je sors de ma piscine. Attends, à qui t'as dit calme-toi là, Knacky Ball là? J'ai rien dit moi. Ouais, fais bien gaffe à toi là. T'es trop du cul. Hein. Top 4 last stop standing. 10 seconds. Wow. You have entered an enemy and one suit came. Your location has been compromised. La fenêtre là-bas. What? Oops.